Besoin d'aide pour financer les études de votre enfant? On fait le point tout de suite sur les bourses et les prêts possibles. C'est parti! On commence avec la bourse CROUS. Vous la connaissez, mais elle n'est pas accessible à tout le monde. C'est une bourse d'État sur critères sociaux. Le montant dépend de votre échelon, qui est calculé sur la base du revenu des parents, le quotient familial, c'est-à-dire le nombre d'enfants, mais également la distance du lieu d'études de votre enfant avec votre domicile. Attention, n'oubliez pas de faire votre demande au CROUS cette année. La date limite, c'est le 31 mai. Bonne nouvelle, une augmentation des bourses CROUS vient d'être annoncée. À la rentrée 2023, les montants annuels iront de 1 400 à 6 300 euros. Vous connaissez sûrement également l'APL, c'est une aide au logement versée par la CAF. Dans ce cas de figure, la plupart des étudiants y ont droit. Le montant est calculé en fonction de la ville et du montant du loyer. Cette aide peut aller jusqu'à 260 euros par mois. Il existe d'autres aides, et notamment des aides locales. La ville, le département, la région dans laquelle étudie votre enfant peut vous aider. Là encore, ces aides peuvent être liées à des critères sociaux, mais aussi des critères d'excellence et de mérite, ou encore un projet comme une mobilité à l'international. Il existe des aides proposées par les formations elles-mêmes. C'est souvent le cas dans les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, avec le soutien de leurs associations de diplômés ou leurs fondations. Renseignez-vous auprès de l'école de votre enfant pour savoir quels sont les critères pour obtenir ces aides. Sachez qu'il existe aussi des aides données par des entreprises partenaires de la formation de votre enfant. Elles sont liées à une volonté d'ouverture sociale, de récompenser l'excellence ou encore d'attirer des jeunes dans des secteurs en tension comme le numérique. Vous connaissez aussi bien sûr les prêts bancaires étudiants. Sachez que votre enfant aura besoin d'un garant pour souscrire ce prêt étudiant. Il faut également valider les conditions de remboursement. Parfois, cela peut se faire dès les études. Sinon, ça se passe généralement plutôt après les études et notamment une fois que votre enfant a trouvé un emploi. Le prêt étudiant peut vous servir à financer les frais de scolarité des études de votre enfant, une mobilité à l'international ou tout simplement des frais de vie étudiant. Dernière info, sachez qu'il existe un prêt garanti par l'État dédié aux étudiants. Votre enfant peut le souscrire sans justifier de revenus et sans avoir de garant. Il est dispensé par 8 banques affiliées. Sa durée est de 2 à 10 ans pour un montant maximum de 20 000 euros et il sert à financer les frais de vie étudiante. Il est en principe moins risqué pour votre enfant puisque le garant, c'est l'État en cas de défaillance et sachez que là encore, il peut être remboursé pendant les études ou à l'issue une fois votre enfant diplômé. Le rendez-vous parents, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si d'autres sujets vous intéressent. À bientôt!